Un président du Sénat qui parle déjà de la construction d'un nouveau siège pour le Parlement congolais, Samalou Kondé a eu droit à sa première polémique, le tout dès le discours d'ouverture de la session ordinaire au niveau de la Chambre haute du Parlement. Mais n'a-t-il parlé que de ça? Nous essayons d'analyser le discours de Samalou Kondé dans le cadre de votre émission « Dites-nous la vérité ». Nous parlerons également du gouvernement souminois 100 jours après, mais pour quel résultat? Et si on a le temps, on abordera la problématique du dialogue qui fait son chemin dans la sphère politique et médiatique ici en République démocratique du Congo. Pour parler de tous ces sujets et de bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, pour la toute première fois dans le cadre de cette émission « Dites-nous la vérité », le sénateur Cédric Nguindo. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Vous faites jeune pour être sénateur, en apparence, hein, diront certains. Et bien évidemment, l'opinion est libre, mais je pense que le sénateur est celui qui est le plus outillé pour garantir une forme de maturité politique basée sur son expérience, son éducation, son instruction, et aussi avec un esprit axé sur le résultat. Je pense que le jeune que vous voyez justement est mieux outillé pour mieux représenter sa province et incarner un leadership jeune sur le plan national. Je voudrais plutôt prêcher par mon action que par les arguments pour balayer les opinions de certains en ce qui concerne mon apparence. Mais quand on parle du Sénat, on voit les sages, on voit ceux qui ont déjà eu à exercer, surtout à occuper des hautes fonctions. Ici au pays, en apparence encore, excusez-moi de porter un jugement, sur base de votre apparence, vous n'êtes qu'à vos débuts. Je pense que le système électoral que nous avons est, a comme soubassement la démocratie. Je veux dire que nous émanons justement de la volonté populaire, quoique directement ou indirectement. Vous allez convenir avec moi que les assemblées aujourd'hui sont assez rajeunies. Je ne voudrais pas ici susciter un conflit générationnel. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que scruter mon CV, vous verrez que j'ai vraiment les biceps et les épaules justement pour porter cette fonction. Et je tiens à la porter avec beaucoup plus d'aisance. Quand vous arrivez la première fois au Sénat, à l'hémicycle, est-ce que vous vous êtes rendu compte que là vous êtes peut-être, le siège que vous avez occupé a été occupé par un certain Mokonda Bonza, un certain Mabi Mulumba, et vous avez mesuré la portée de la chose? Qu'est-ce qui vous a... C'est justement la beauté de la vie, parce qu'il y a ceux qui ont vécu avant ceux que vous avez cités, et ils ont eu leur temps, c'est notre tour aussi. Je pense qu'on n'a pas à juger la grandeur de la fonction lorsqu'on entre dans l'hémicycle. C'est plutôt lorsqu'on opte pour arracher cette fonction, parce que ce n'est pas facile. Je pense que tous les vieux que vous avez cités étaient candidats, pour ceux qui sont vivants, ont été candidats avec nous, mais les grands électeurs ont dû choisir, et choisir librement. Alors c'est déjà une fierté pour moi d'avoir été sélectionné dans ce milieu, entre toutes ces personnalités que vous faites allusion. Et j'estime que le choix porté par les grands électeurs est un choix qui reposait sur beaucoup plus de valeur qu'une apparence physique ou une comparaison générationnelle. Je pense que nous sommes d'une génération décomplexée qui veut justement que les enjeux reposent sur des perspectives et non sur des carrures. On parle de cette jeunesse, cet renouvellement, surtout de la classe politique. Au niveau du Sénat, vous avez un président de la Chambre haute qui est jeune. Vous refusez qu'il y ait un conflit générationnel, mais c'est ce qui risque d'arriver. On risque constamment de vous comparer, de comparer ce Sénat avec les précédents, surtout avec le Sénat de Kingo Adondo. Mais c'est naturel. Je pense que la comparaison devrait plutôt porter sur le travail, que sur nos apparences. Le président du Sénat est jeune, il a été premier ministre, il a été député avant et ministre. Je ne pense pas qu'il y ait encore une fonction particulière que l'on chercherait pour sélectionner un président. Et il a été lui aussi élu par ses pairs, qu'il faut trouver, qui viennent des divers secteurs, et qui, justement, dans leur secteur, sont aussi des pionniers et sont aussi des grosses personnalités. Vous n'aurez qu'à scruter, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des vieux qui ont, eux,
opté pour Samuel Koundé au perchoir. On va parler, on reviendra quand même sur le discours de Samuel Koundé qui a eu déjà droit à sa première polémique. Mais avant, vous revenez de chez vous, de votre base. Comment vous avez trouvé Kananga? Comment vous avez trouvé le Kasaï central? Puisque vous êtes élu de... Effectivement, j'ai été d'abord obligé, sur base de l'article 240 du règlement intérieur du Sénat, d'aller, nonobstant le fait que nous n'avons pas réellement eu des vacances parlementaires, puisqu'à l'issue de la session extraordinaire, nous étions obligés d'asseoir un bureau avant d'aller, donc nous n'avons pas eu une session ordinaire. Alors, après, vous voyez que vous allez constater que dans le règlement, il est dit qu'il faudrait passer un mois dans sa circonscription. Donc, nous n'avons pas eu la possibilité de rester plus longtemps. Mais pour la période pendant laquelle nous avions communié avec notre base, j'estime que j'avais été agréablement surpris de voir la sélection faite par le souverain primaire en composant l'Assemblée provinciale du Kasaï central, parce que j'ai vu de la qualité, j'ai vu de la prestance, j'ai vu... De la jeunesse aussi, hein? Aussi, j'ai vraiment vu de l'énergie. Et c'était un exercice en tout cas assez particulier de le réunir, puisque j'ai eu à avoir une session d'échange, de consultation, où nous avons brossé un peu toutes les questions d'intérêt public de la province. Nous avons échangé sur bien d'autres, beaucoup de dossiers. Et je pense que j'ai été édifié de voir la qualité et le travail, les aspirations des élus de la province. Je suis fier justement d'être le représentant de la province qui aujourd'hui compte des élus très intéressants. Nous avons échangé sur plusieurs questions, notamment sur la route Kalambambouji. Ah, la fameuse route, là. Vous y étiez. Est-ce que les travaux ont démarré? Effectivement, ici, je pense que le ras-le-bol n'est pas lié aux travaux. C'est plutôt au flou qui a souvent été, je pense, entretenu sur base des plusieurs contrats qui se sont succédés. Et il était question, bon, ils ont demandé aussi que je puisse, moi aussi, amorcer une enquête parlementaire là-dessus, pour que nous puissions réellement comprendre pourquoi est-ce que la plupart des projets initiés, des projets d'infrastructure initiés au Kasaï central, peinent à atteindre 50% de leur exécution. Non, mais ça ne débute même pas, 50%. Vous êtes bien gentil, hein. Je fais régulièrement le Kasaï, je dis, vous êtes bien gentil. Je pense quand même que c'est un rapport qui est fait par des députés provinciaux qui ont fait le déplacement vers leur base. Et je suis très outillé, justement, pour avoir à en discuter avec mes pairs au Sénat et pourquoi pas avec le gouvernement. Il y a aussi la question de Karim Inier Lamiba, dont la plupart je retrouve sur le territoire. Lamiba et Karim Inier également dans le Kasaï central. Kasaï central, ouais. Et je pense que c'est aussi une aubaine pour le gouvernement provincial de se faire quelques sous, puisque il est vraiment en manque de moyens pour son action, l'action gouvernementale. Alors nous sommes justement là pour essayer d'accompagner l'équipe, et toujours en prenant l'unité et l'amour, afin que nous, au Kasaï central aussi, nous puissions parler de développement. La chute des Katende. Ce sont des questions justement qui ont été évoquées. Il paraît qu'il y a un palliatif qui est la chute Mbombo. Ah, mais là aussi, il y a un problème. On a célébré récemment la pose de la première pierre. Justement, là-dessus, je pense que je devrais initier aussi une procédure pour que nous arrêtions dorénavant à procéder à cette pratique de pose de première pierre. Je pense qu'il faudrait bannir cela pour promouvoir plutôt des inaugurations. Parce que vous allez tout à l'heure là parler du gouvernement. Vous verrez que la plupart de nos élus ou des populations, ils attendent de voir des signaux visibles de l'implication du gouvernement. Sauf que lorsque vous avez un projet, vous devez comprendre que la majeure partie de ce projet est invisible, parce qu'il s'agit des études, il s'agit de bien planifier, et le reste se fait rapidement puisque tout a été bien balisé. Par contre, nous avons pour la plupart du temps des projets cosmétiques qui sont étalés sur base du timing que l'autorité politique
compte passer dans son siège en tant que ministre, gouverneur et tout. Donc, ce sont des projets qui ne sont pas assis sur... Cosmétiques et populistes, justement. Évidemment. Souvent, on a vu beaucoup des projets être, des premières pierres être posées à la va-vite. C'est vraiment une pratique qu'il faudra bannir pour justement susciter le travail. Le travail assis sur une bonne fondation. Alors, les gens doivent comprendre que dans les 100 jours, dans les 3 mois et tout, essayez pas de voir seulement des drapeaux et des premières pierres, mais il faudrait comprendre que nous devons mûrir les fondations, mûrir les travaux en commission pour planifier dans le cadre du développement durable. Et non pour amuser la galerie, pour que l'on voit que dans mon mandat ou dans les laps de temps que j'ai occupé le siège, j'ai dû faire ceci. Et juste après votre passage, tout s'écroule. Donc c'est vraiment dans ce souci de développer durablement une infrastructure au sein du Kasaï central que, à l'aide de députés provinciaux, j'ai dû recueillir justement toutes ces informations pour voir comment est-ce que je le mettrais, à disposition du gouvernement. Vous avez parlé des projets, on a parlé des projets, mais comment avez-vous trouvé l'homme kanangais, la femme kanangaise ou la femme, l'homme de Kasaï central, quand vous le regardez, qu'est-ce qu'ils vous ont exprimé? Qu'est-ce que cela vous a inspiré, cet homme-là? Effectivement, comme partout ailleurs, nous essuyons beaucoup de difficultés. La misère, elle est présente. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a toujours cette fierté et cet espoir de voir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je tiens à y travailler, à accompagner cela, parce qu'en tant que politique, nous devons susciter espoir. Nous devons susciter un avenir un peu radieux. Ça fait six ans qu'on leur dit cela. Aujourd'hui, le Kanangais, parce qu'on fait quand même l'intérieur du pays, il a l'impression qu'il est laissé pour compte. Évidemment, c'est tout ce qu'on me dit. On dit nous avons élu le chef de l'État à... Plus qu'en Bougimaï, hein. Je demande l'idée de créer, mais... Nous n'avons pas de feedback assez positif quant à nos attentes. Je pense que d'abord l'unité doit nous caractériser pour nous permettre de bien cerner nos problèmes. L'unité du Kasaï central. Effectivement. De mieux les poser, en tout cas nos problèmes, afin d'en tirer vraiment des dividendes. Parce que je pense que pendant un bon moment, nous sommes sortis de la crise Kamouna-Sampou, nous sommes sortis de beaucoup de problèmes sociaux. Et aujourd'hui, l'unité est la seule, en tout cas en mon sens, le seul élément qui va nous permettre justement de compter des dividendes des problèmes qui nous concernent. Comment créer cette unité dans le Kasaï central justement pour permettre le boostage de ce développement? Justement, c'est de prêcher le positif et de sensibiliser justement toutes les personnalités politiques de la région. Mais qui va le faire? Vous avez déjà des idées? Vous comptez j'ai débuté depuis un bon temps. Je suis en train de contacter des personnalités, ceux qui ont été élus et non, et ceux qui ne le sont pas. De tous bords, ou de l'Union sacrée. De tous bords. Question d'échanger un peu pour voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons avoir un seul cahier de charges, une seule feuille de route, ou mieux poser nos problèmes et suivre, en tirer satisfaction. Au début de cette émission, on a parlé de ce discours du président du Sénat. Nous, médias, journalistes, mais pas que, la population a retenu une phrase ou une expression, c'est la construction d'un nouveau siège de Parlement. On s'est dit, mais aussitôt arrivé, aussitôt, ils pensent à eux, rien qu'à eux, pour des grands projets. Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression-là dans le discours du président du Sénat? Je n'ai pas eu cette impression et je pense aussi que la population lambda n'a pas eu cette impression. Il s'agit d'une polémique basée sur la malhonnêteté de certains bords politiques. Parce que le président du Sénat a brossé, en tout cas, toutes les questions d'intérêt public, dans l'économie, la sécurité, l'environnement, la fonction publique. Je pense que le président du Sénat a été clair en ce qui concerne... Il a été évasif plutôt, hein, concernant ces questions-là, mais un peu plus précis quand ça, il s'est agi. C'est un problème de compréhension. Puisque sur ces questions, il a bien posé certaines... piste de solution. Il faudrait comprendre que acquérir un bâtiment, un bureau propre au Parlement est d'abord une question de la qualité de travail.
parce que nous sommes des élus, nous sommes parsemés dans la ville, nous n'avons presque pas de bureaux. Pour certains, non. Alors, il y a beaucoup de problèmes qui se posent sur base de la qualité de travail fournie par le parlementaire. Le parlementaire doit être outillé, il doit avoir les moyens de son action. Comment vous allez mieux représenter une population si vous ne vous recentrez pas? Si vous ne mettez pas, parce que je ne sais pas, il y a ceux qui sont revenus des vacances parlementaires, vous devez compter les rapports dans la quinzaine. Mais il y a certains qui vont le faire à domicile, d'autres qui n'ont nulle part où le faire, d'autres viennent des provinces qui n'ont pas de résidence fiable ici. Vous savez, nous n'allons pas entrer en profondeur de cette question parce que moi j'estime qu'il s'agit d'une méchanceté. Le président du Sénat n'a pas été conjoncturel pour cette question-là. Il s'est mis dans la perspective parce qu'il a parlé de la législature. Alors, lorsque nous parlons de la législature, il faudrait justement être mal intentionné pour penser que pendant toute la législature, nous aurons les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Les problèmes que nous devons solutionner aujourd'hui, nous le faisons aujourd'hui. Mais il y a des problèmes pour lesquels nous devons trouver des solutions plus tard, mais tout au long de la législature. Le président du Sénat, justement, a axé cette vision sur base de la législature pour nous permettre de voir comment nous mettre dans des conditions de travail. Alors, je ne vois pas cet aspect, cette question, comme étant une question qui fâcherait la population. Pas une question qui fâcherait la population. L'ouverture de cette session est marquée, ce sera une session essentiellement budgétaire. Oui. Il y aura toujours la fameuse question, la question de péréquation, retenue à la source. Bon, on aimerait bien savoir comment vous, en tant que sénateur, comptez-vous y prendre par rapport à ces questions qui, ça fait des années, ça ne trouve pas solution. Effectivement, bon, je pense qu'il faudrait attendre que cela soit présenté pour que nous puissions nous aussi apporter nos améliorations. Effectivement, le Congo est grand, est un pays continent, comme aiment le dire certains. Alors, dans toutes les contrées, toutes les parties de notre pays, il y a des attentes. Il y a des attentes et des attentes qui sont légitimes. Il faudrait comprendre aussi que nous devons maximiser, justement, dans le cadre des recettes, et voir comment repenser le développement dans le pays. Ça n'engage que moi, je pense qu'il y a des questions qui demanderaient un peu plus que nous travaillons dans la durée, dans la perspective, pour voir est-ce qu'il ne serait pas possible pour nous de scinder un peu les dépenses d'investissement dans un autre cadre pour que cela ne dépende pas des politiques. Comme on venait de le dire tout à l'heure, le ministre a besoin de laisser des empreintes de son passage. Et tout ce qu'il a comme réforme, il veut les circonscrire dans le timing dont il occupera le siège de ministre. Par contre, si nous avons des projets de développement qui sont des projets de développement durables, qui ne sont pas gérés à ce niveau, nous verrons des projets dont les études prendront les temps nécessaires et justement la faisabilité aura aussi comme conséquence la durée et la pérennisation justement des actions de ces projets. Vous pensez concrètement à quoi, c'est-à-dire? Je pense qu'il faudrait arriver à susciter le fait que le gouvernement devrait réfléchir pour dissocier les charges que nous avons des frais de fonctionnement. Donc créer une autre structure et qui va être une manière de voir, de repenser un peu les finances publiques pour que les dépenses d'investissement ne dépendent pas de nos recettes directes. Okay. Alors, nous allons. Mais ça dépendra de quoi nous allons concrètement? Ben justement, comme il s'agit des investissements, peut-être des apports extérieurs, mais qui soient axés sur le résultat. Question que nous ayons des investissements ici dans tous les domaines, industriels et autres, qui vont réellement nous bénéficier et dans la durée, entre autres, nous, avec nos recettes, nous pourrons assurer notre souveraineté. Alors, j'estime que pour l'instant, il est difficile de mettre en place le budget programme. Mais et pourtant, c'est une réforme qui est déjà passée, qui est censée être mise en œuvre depuis. Hein. C'est effectif, effectivement. Non, c'est pas encore, le budget programme n'est pas encore effectif. Nous sommes toujours dans le budget moyen, mais les moyens, nous n'en avons pas assez.
Et nous avons beaucoup de priorités, et surtout axées sur l'effort de guerre et autres, qui ne permettent pas vraiment de créer des richesses. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de projets, mais qui ne sont assis sur rien de solide. Alors il faudrait aujourd'hui penser ensemble comment développer un mécanisme d'investissement qui ne soit pas mêlé avec les efforts des politiques d'asseoir la souveraineté dans tout le domaine. Est-ce que le problème, c'est l'investissement ou le problème, c'est qu'on dépense mal, la corruption, le détournement, Oui, mais l'argent, il y en a dans ces pays. On peut investir en l'homme, dans le cas de l'éducation civique. Parce que c'est un investissement aussi, parce que ça nous permet justement de bien sécuriser nos avoirs. L'éducation civique, je pense que c'est le premier chantier. Parce que moi personnellement, j'ai eu dans mon expérience à faire face à certains gestionnaires qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas le souci, qui ne connaissaient justement pas qu'ils étaient en train de gérer. Ils étaient dans une forme de méconnaissance justement des normes de gestion. Et comme on dit, nul ne peut censé ignorer la loi, mais c'est un état de fait, les gens ne sont pas éduqués convenablement à gérer. Et cela est justement le fait de ne pas intérioriser l'intérêt public, le patriotisme. Et cela, justement, fait office d'une éducation civique qui n'est pas bien accomplie. Alors nous devons penser, justement, avec le gouvernement, une manière d'investir là aussi, en l'homme, dans la fiscalité, dans la collaboration, dans le savoir-vivre, le savoir-être. Tout ça va permettre aussi à créer des richesses. Alors, parce que si nous voulons innover, nous devons innover avec des personnes qui ont le souci de léguer à leur progéniture un Congo meilleur que celui qu'ils ont connu. Alors, je pense qu'il s'agit d'un des piliers aussi sur lesquels il faudrait vraiment avoir un regard particulier si nous voulons réellement construire dans la durée. Alors, on va essayer de faire une petite politique fiction avec le budget. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme projet être repris dans le cadre de ce budget, parce que vous ne l'avez pas encore, vous attendez, pour le compte du Kassai Central, par exemple, des types de projets que vous aimeriez que ce budget puisse prendre en compte dans votre province? Déjà, l'idéal serait, puisqu'il s'agit d'une province essentiellement administrative, l'idéal serait de scinder les émoluments, les rémunérations, de les mettre de côté par rapport aux frais de fonctionnement. Parce que, vous savez, il y a un problème de motivation aussi publique. Lorsque vous voyez la fonction publique au Kassai Central, elle est démotivée. Puisque les frais arrivent avec les frais de fonctionnement. Alors, les frais de fonctionnement, je pense que même ici, dans la capitale, ce ne sont pas des paiements qui se font chaque mois, donc ils ne sont pas très permanents. Alors, ce qui fait qu'à l'intérieur du pays, les administratifs et les politiques souffrent justement de ce problème. Et lorsqu'ils souffrent de ce problème, ils tapent directement sur l'autorité provinciale. C'est ce qui crée l'instabilité. La majorité des instabilités que nous avons dans nos provinces est liée aux rémunérations. Alors, il faudrait une rubrique claire de rémunération des administrations et des chambres politiques pour que nous n'ayons pas des gouverneurs qui soient à la merci des élus, qui soient orientés qu'à plaire à une couche, à une partie de la population, mais qui soient aussi projetés à trouver des solutions sur des problèmes assez plus constructifs de développement de nos provinces. Il y a aussi nos infrastructures. Je pense que la route Kalambambouji va permettre de booster le développement ou sinon la vie sociale, de mettre des conditions de vie sociale assez meilleures au profit de nos populations. Il y a aussi la chute Mbombo qui, d'après les informations que j'ai obtenues, va permettre justement d'asseoir aussi une industrie centre kassaïenne. Alors, j'espère arriver avec mes pairs du Kassaï central au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat à arracher cela du gouvernement. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'État qui doit investir, mais on reproche également aux Kassaïens, l'espace Kassaï,
aux Kassaïens, les ressortissants Kassaïens, de ne pas investir suffisamment chez eux. C'est un constat, je qui pense. Est vrai. Que, bon, ça. Vous étiez là-bas, vous avez vu. Vous avez tout à l'heure parlé du fait que le Kassaï Central, c'est une ville essentiellement administrative. Des privés, il y en a très peu. Des privés ressortissants du Kassaï Central, il n'y en a pratiquement pas. Très peu investissent dans le Kassaï. C'est vrai. Mais justement, ça fait partie des plaidoyers que nous allons mener lors de nos échanges dans le cadre de l'unité du Kassaï Central pour lever ces options-là. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, dit-on. Nous ne sommes pas entrepreneurs, nous sommes politiques. Nous devons mettre les bases politiques qui peuvent permettre justement aux entrepreneurs de se sentir chez eux et de aspirer à un meilleur rendement. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais qu'est-ce qui bloque les investissements dans le Kassaï central, par exemple? Non, il faut dire que nous sommes une province qui sort d'une crise et tout. Et il fallait nous réconcilier. C'est cette réconciliation qui peine et qui a créé comme une psychose. C'est comme ça que nous martelons sur l'amour et l'unité de la province. Cela va nous remettre dans une forme de confiance qui permettra aux entrepreneurs de mieux asseoir leur business et aussi de susciter d'autres aspirations à entreprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a aussi beaucoup à faire. Moi particulièrement, je me suis rendu, pendant mes vacances parlementaires, je me suis rendu à Kananga avec un investisseur dans les domaines agroforestiers pour dire que dans mes engagements face aux élus provinciaux, j'avais dit, je vais faire en sorte que les jeunes investissent dans le secteur agroforestier. Et nous avons identifié certains sites où nous voulions implanter des projets sur la carbonisation des acacias, sur l'industrie des jus d'ananas, sur le développement des projets de crédit carbone avec la communauté locale. Donc nous sommes justement aussi à notre niveau en train de voir comment est-ce que nous pouvons mettre notre main dans la pâte pour susciter justement cet engouement dans l'entrepreneuriat. Par contre, sans amour, sans unité, je ne suis pas sûr que cette entreprise verra le jour et atteindra le sommet. Bah, vous savez que nous vivons dans un monde qui n'est pas un monde de bisounours, ça, c'est pas je t'aime, tu m'aimes aussi. Effectivement, mais je pense que l'âme d'une nation est essentielle, même pour ce qui concerne le Congo. Parce que moi, mon engagement politique était de combattre le tribalisme et les stéréotypes ethniques, puisque j'ai compris que nous sommes des États-Unis. Nous sommes des Nations Unies qui devraient faire une nation. Et à cause des stéréotypes, et ça a créé le manque de confiance. Parce qu'en mon sens, le Congolais n'est pas tribaliste. Il est juste en manque de confiance de son frère sur base des stéréotypes qui ont été créés. Et si exacerbé par certains discours également. Effectivement, si nous extirpons tout cela, nous avons de l'unité. Mais dans cette unité, il y a de la concurrence. Dans cette unité, il y a de l'émulation. Par contre, nous devons déjà avoir cette unité. Comprendre que nous sommes ensemble et tout ce que chacun fait est pour, au profit du développement de sa contrée. On parlait tout à l'heure du gouvernement, du budget. Ça y est, c'est depuis le jeudi, le gouvernement soumis à 100 jours. On retient quoi de ces 100 du jours? Du 11 juin, je pense, au 11 septembre, au 19 septembre. 100 jours, justement, se sont écoulés. J'ai appris qu'il y a eu des initiatives parlementaires. Vous n'avez pas vu, mais vous avez appris. J'ai appris. Okay. Parce qu'il ne s'agit pas de ma chambre. Moi, je suis dans une autre chambre. Et donc, j'ai appris que dans la chambre sœur, il y avait des initiatives tendant à avoir des éclaircissements là-dessus. Mais en ce qui me concerne, je pense que je risquerais de me redire, c'est que pour moi, d'abord, les 100 jours doivent rester dans la ligne maîtresse de la loi des finances. OK. Et deuxièmement, les 100 jours ne doivent pas être une course à des poses de première pierre. Ça doit être plutôt mis au profit de la mise en place d'une fondation solide et durable avant de construire l'édifice. Mais on n'a pas eu beaucoup de premières pierres pendant ces 100 jours. Hein. Évidemment, j'ai maintenant espoir du fait que cette fois-ci, avec Madame Soumimoi, il y a une structuration quand même de la ligne gouvernementale
qu'il faudrait mettre en place avant justement de passer au premier pilier. Et ça, c'est très intéressant. Mais à la suite, bon, je pense qu'elle aura le temps de s'exprimer, puisque je ne peux pas parler, je ne suis pas membre du gouvernement. Mais je pense que pour mon pays, je dois avoir toujours des zones positives et des attitudes, une attitude positive. Et j'espère justement que de la manière dont j'ai vu structurer certains secteurs gouvernementaux, j'espère que justement il y a une fondation qui est en train d'être mise en place, qui a été mise en place pendant ces 100 jours, pour permettre qu'il y ait maintenant une construction solide sur base de l'adoption de la loi des finances 2025. J'ai vraiment foi qu'il y aura des bonnes choses au profit de notre population. Ah, mais parlons quand même de ce secteur-là. Quel est le secteur qui, selon vous, est en train, dans ces 100 jours, c'est un peu démarqué? Mais j'avoue que on donnera des notes hein, à certains ministres. J'ai tiré, vous allez donner des notes à certains ministres ici, oui. Parce qu'on est comme, c'est comme à l'école. Hein. Première période, on donne des notes aux enfants et eux, ils sont là, ils vont être évalués également. Mais on commence par dire des secteurs avant de parler des hommes qui incarnent ces secteurs. Je pense aussi, se soumettre à cet exercice reste assez populiste. Oui, on va trier. Vous savez, il y a des secteurs... On va donner la note alors à la seule première ministre pour ces 100 jours, mais on verra. Répondez d'abord par rapport au secteur. Quel est le secteur qui, selon vous, est essayé de se démarquer, de faire sa preuve pendant ce 100 premiers jours? Bon, je ne vais pas prendre à la foulée, je vais prendre le premier des membres du gouvernement, c'est l'intérieur. Ah, Jacquemin, l'intérieur, oui. Oui, j'ai vu quand même certains signaux positifs quant à la circulation, quant à la réorganisation des sociétés et tout. J'ai vu quelques éléments quand même assez positifs. Vous voyez, avec le transport, j'ai vu également qu'il y a eu le souci de rattraper certains retards des agents. Le transport, vous dites ça parce que vous êtes du MLC, parce qu'il y a Jean-Pierre Bemba là-bas, parce que franchement, le transport, les Quinois ou les Congolais en général, quand on voit que Congo Airways est en voie de disparition, franchement, on ne parlerait pas de ce transport pour les 100 premiers jours. Mais justement, est-ce que Congo Airways disparaît? En voie? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une politique qui est mise en place pour éviter cela. Il y a eu, vous savez, je disais tout à l'heure ici, il y a un découragement total des administratifs. Lorsqu'ils écoutent à longueur de journée que certains politiques détournent autant de sommes et qu'ils ne sont pas payés, ils accusent beaucoup de retard dans leur rémunération. Aujourd'hui, arriver à les réintégrer dans ce circuit de rémunération et permettre à ce qui est quand même un suscite espoir dans l'administration, c'est déjà une très bonne chose. Parce que cela va permettre que justement qu'il y ait des solutions plus rapides aux problèmes de transport que nous trouvons. Alors, c'est un aspect que je relève qui est intéressant et ce n'est pas parce que je suis du MLC, et encore qu'en étant du MLC, c'est une bonne école. Je pense que nous sommes tous appelés à faire mieux au profit de nos populations. Et j'étais en train d'énumérer en fonction de mon gouvernement. Continuez, je vous en prie. J'étais au deuxième. Je pense qu'après, ça doit être la fonction publique. La fonction publique, c'est un processus. Ça n'a pas commencé avec le gouvernement soumis. Ça vient. Donc, c'est pour dire que les cotations ne doivent pas être justement basées sur toutes... disons, tous les projets cosmétiques, tout ça, mais sur l'idéal, justement, d'avoir à développer quelque chose de durable. Moi, attendant quelque chose de durable, vous ne pouvez pas nous échapper. Vous avez parlé de Jacquemin Chabani, vous lui donnez compte de... Non, je n'ai pas parlé de Jacquemin Chabani. Non, de l'intérieur. J'ai parlé combien du ministère de l'intérieur, j'ai parlé du ministère des Transports. C'est combien sur 10 ce ministère? On ne va pas parler d'hommes. Vous donnez en 100 jours, comme ça, première période, vous êtes le professeur. Notez le ministère de l'intérieur, c'est combien sur 10? Je pense que pour le noter, je devrais en principe être celui qui l'a donné des missions. En ce qui me concerne, vous êtes mieux que ça. Je ne lui ai pas. Vous êtes mieux que ça. Vous êtes celui qui le contrôle. Moi, celui qui vous êtes celui qui le contrôle d'ailleurs dans ces vies. Je vais noter dans l'ensemble, mais en ce qui concerne spécifiquement des missions, des axes de priorité du gouvernement, je pense que c'est la première ministre qui est plus habilitée à le faire. En ce qui me concerne, je pense que vous m'avez demandé de relever certains points positifs. Certains points que vous avez regardés. En tout cas, moi, personnellement, je suis orienté sur la positivité en ce qui concerne mon pays. C'est un peu de la naïveté. Vous fermez les yeux sur tout ce qui ne marche pas. Ce n'est pas de la naïveté, c'est que j'ai une responsabilité politique
de faire en sorte que la population croie en ce pays, ait espoir en ce pays, se développe dans ce pays. Mais en disant des choses vraies. Mais justement. Que vive cette population. Mais justement, aujourd'hui, la population est contente de voir que les bandes secondaires et tout ça, petit à petit, sont en train d'être réprimées. C'est un fait. Alors, aujourd'hui, si vous allez au secteur de transport, les administratifs vous diront qu'ils ont eu à régler leurs problèmes de rémunération. C'est factuel. Donc, en ce qui me concerne, je pense que je dois me limiter à parler positivement, justement, de ce que fait le gouvernement, mais tout en restant dans la sincérité, dans l'honnêteté. Et en ce qui concerne le gouvernement dans son ensemble, j'ai dit tout à l'heure que moi, en ce qui me concerne, je ne vais plus me fier aux petits projets d'impact visible mais éphémère, mais plutôt à une structuration qui peut poser des bases solides pour un développement de longue portée. Donc on conclut que vous ne donnerez pas de notes. Ce n'est pas mon rôle. Si, vous pouvez le faire, vous êtes le contrôleur. Oui. Donner une note quand même à ce gouvernement 100 jours après, l'ensemble, c'est combien sur 10, sur 5? Je pense que je devrais attendre à noter après mon adoption de la prochaine loi des finances. Là, au moins, j'aurai une responsabilité morale et cela me permettra justement de fixer l'opinion. On prend rendez-vous, on prend date, hein, on reviendra vers vous pour noter. Peut-être d'ici la fin de la session, on reviendra vers vous pour essayer de donner une note à ce gouvernement. On va très bientôt terminer cette émission, mais on parle quand même de... Vous avez tout à l'heure parlé de l'unité dans le Kassai central. Actuellement, dans la sphère politique, on parle de plus en plus d'un dialogue. 6 mois après les élections, vous pensez que le pays a besoin d'un dialogue interne? Certains parlent même du processus de Kinshasa. On a le processus de Luanda, de Nairobi. Ça concerne l'extérieur. Mais on dit, ouais, il faut qu'il y ait un processus de Kinshasa. Il faut qu'on se parle. Je pense qu'il faudrait remettre chaque chose dans son contexte. Le dialogue est un aspect assez positif pour le développement d'un État. Je pense qu'il est important que nous soyons constants en dialogue. Mais il ne faudrait pas mettre en place une pratique politique, je vais même dire politicienne, d'insérer le dialogue comme étant un mode de gestion politique au détriment de la démocratie. Les élections en tranchée, nous avons aujourd'hui, après un long processus électoral, nous avons aujourd'hui toutes les institutions qui sont opérationnel. Je pense qu'aujourd'hui, le dialogue devrait plutôt nous appeler vers l'unité, vers des solutions qui pourraient définitivement permettre à la RDC de vivre en paix. Et à cela, je ne suis pas contre du tout. Mais si, après avoir échoué aux élections, après avoir boycotté les élections, après avoir vilipendé les élus et qu'en sais-je encore, j'espère que nous allons arriver à mettre une fois pour toutes dans le subconscient ou même dans l'intellect congolais que nous avons assez eu des dialogues politiques comme pratique d'accession au pouvoir, qui nous ont plutôt retardés que projetés vers le développement. Si il y a des politiques qui pensent pouvoir apporter un plus dans la gestion du pays, qui permettent, s'ils pensent qu'ils ont des idées qui pourraient permettre la paix à l'est du Congo, qui pourraient permettre le développement, qui pourraient atteindre les 6 piliers, justement, du gouvernement dans le cadre de la souveraineté, la protection du pouvoir d'achat, de développer la diversification de l'économie, de permettre à ce que chaque Congolais participe à la construction de son pays. Toutes ces questions peuvent être discutées pour que le Congo aille de l'avant. Mais le cadre, justement, on discute de tout ça.
Où, avec qui et comment? Non, mais je pense que idéalement, en demandant une discussion, il faudrait reconnaître les institutions et voir les mécanismes d'appui à la Ça doit être un démocratie. préalable, en fait. Oui, mais À puisque toute discussion, il faut d'abord reconnaître les il faut institutions en reconnaître les place. institutions pour ne pas mettre un frein à l'élan démocratique que nous avons. Parce que le peuple nous regarde, je pense qu'ils ne sont pas dupes. La population sait qu'en demandant le dialogue, il y a un désir de pouvoir participer justement à la gestion du pays, mais en bypassant justement la voie populaire. Parce que le pouvoir vient du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et si le peuple a donné l'élan pour une législature, ce n'est pas parce que vous avez une idée que vous pouvez mettre en contribution que vous devrez freiner l'élan tracé par la population. Vous devez respecter cette population en respectant les institutions qu'elle a placées et humblement, voyez comment est-ce que vous pouvez aider votre pays. Il y a plusieurs structures d'appui à la démocratie. Il y a plusieurs moyens, je pense, de contribuer à l'élan patriotique. Mais si certains estiment qu'il faudrait se mettre autour d'une table, je pense qu'en ce qui concerne, ça serait ceux qui sont hors des institutions, avec ceux qui sont dans les institutions, dans le sens d'un échange franc, qui pourrait justement nous permettre de baliser le chemin avec plus d'unité, plus de responsabilité, axé réellement sur des objectifs qui vont permettre à la population de constater la maturité politique de ces années. La maturité politique, donc on attend voir ce que ça va donner, ce processus de dialogue que certains sont en train de demander, disent-ils, pour essayer justement de mieux lutter contre l'agression du pays. Évidemment, La évidemment. cause, elle est noble, quand même. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense que nous avons besoin de toutes les filles et fils de ce pays pour que, une fois pour toutes, nous puissions jouir ensemble de notre pays et que nous puissions barrer définitivement la route à ceux qui alimentent les stéréotypes pour nous diviser. Parce que sans justement la création de cette nation, nous ne saurons pas nous développer. Ça sera l'Est contre l'Ouest, le centre contre le Nord. Nous serons toujours dans le régionalisme au lieu d'aspirer à un État uni. Alors je pense qu'effectivement, nous devons accepter qu'il y ait des apports extérieurs. Quand je dis apports extérieurs, c'est-à-dire de ceux qui, hors institution, pour voir comment est-ce que nous pouvons étayer le programme qui est en marche. Et je pense que le chef de l'État a toujours été ouvert à ce genre d'initiative. Mais seulement, nous ne devons pas bypasser la voix du peuple. Ne pas bypasser la voix du peuple, on a très bientôt terminé cette émission. Une question, vous êtes avocat, il y a les peines des morts qui fusent maintenant dans notre pays. Vous pensez que c'est une bonne chose pour le droit de l'homme? Bon, je suis juriste, mais pas Juriste avocat. plutôt. Peine Bon, de mort par-ci, peine de mort la question par-là. de Vous trouvez que la c'est... question de la peine de mort est assez longue à débattre. Je pense que effectivement, il y a lieu de voir comment repenser cette sanction. La loi reste impersonnelle. Je pense que si la loi prévoit sur base de tel crime que vous soyez condamné à mort, il n'y a Non, pas mais de souci la là-dessus. peine elle-même, est-ce qu'elle doit encore exister dans ce pays? Vous pensez que Ça, ça c'est dissuasif, ça permet de... et bon, tant qu'on ne l'applique pas, on ne peut pas parler de dissuasion. Puisque de toutes les façons, celui qui est condamné à mort, c'est qu'il ne va pas être automatiquement achevé. Bon, je pense que ça demande encore beaucoup plus de débats. Je ne peux pas prétendre personnellement trouver une piste là-dessus. En ce qui me concerne, je vais être un peu embrouillé par mes idées en tant que chrétien, en tant qu'idéaliste politique, en tant que républicain. Donc il y a tous En ces tant que éléments. quelqu'un dont le pays est agressé, on estime que bon, voilà, ça peut être Tout la à voie. fait, tout à fait, je pense effectivement, tout à fait, une autre trahison doit être quand même assez condamnée. Mais
Il y a aussi l'humanisme qui nous appelle à faire un effort pour plutôt réinsérer. Donc il y a toutes ces questions, justement. Je ne pense pas que dans les peu de minutes qui nous restent, nous pourrons suffisamment épiloguer là-dessus. Qui sait, peut-être que ça pourra faire, on va avoir des discussions, des débats aussi autour de ces questions-là, Oui, qui effectivement. sont loin d'être juste des questions sociétales, mais dont l'avenir de notre pays en dépend, et peut-être commencer aussi à parler de Exactement, toutes ces questions. exactement. Mais c'était un plaisir pour moi de vous Le recevoir. plaisir est partagé. Un dernier mot à ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, c'est toujours suscité une envie au positivisme. Je voudrais appeler les compatriotes à penser positif pour leur pays. Nous n'avons qu'un seul Congo qui a imposé une seule nationalité. Une nationalité exclusive. En ce qui me concerne, je suis congolais et exclusivement congolais, et je voudrais demander aux compatriotes de penser positivement pour leur pays, penser unité, penser amour, parce qu'il n'y a que ce chemin-là qui va nous apporter, qui va nous emmener vers le développement. Je voudrais aussi vous remercier de me donner cette occasion de parler aux frères et sœurs du Kasaï central. Pour leur demander aussi de pouvoir garder espoir parce que nous savons qu'on nous écoute et que, une fois pour toutes, nous aurons des solutions aux problèmes qui nous concernent. Moi, je retiens l'espoir hein, pour résumer Tout à fait. cette émission. Restez positif, pensez positif et vous attirerez tout ce qui est positif dans votre vie, dans votre famille et dans notre nation. On se Exactement. dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité. Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube Elisée Audia TV, mais également sur BeOne Télévision, mais également sur toutes les autres plateforme. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme et on se dit à très très bientôt.